une déception immense ce soir, quoi. Et je suis extrêmement déçu. J'ai une pensée aussi pour tous les Ivoiriens qui sont extrêmement déçus. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles à vivre. La responsabilité, je l'assume, quoi. On est toujours entraîneur, on est toujours en première ligne. Donc, j'assume cette responsabilité. Après, épiloguer sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire, je sais que le débat aura lieu. On avait l'ambition de défendre notre titre, on avait l'ambition de passer pour ce premier tour, c'était le premier objectif. Et ça, c'est pas atteint, j'en prends acte. Je l'ai dit, j'assume mes responsabilités. Quand on obtient une victoire, il faut toujours rester réaliste. Aujourd'hui, on a battu une équipe de Côte d'Ivoire sur un très mauvais terrain et c'est certainement ce qui a nivelé les valeurs. J'ai souvent rencontré le Ghana dans les dernières Coupes d'Afrique et j'ai toujours eu de la chance. Donc, espérons que cette bonne étoile va continuer, mais avant d'avoir une bonne étoile, il faut sur le terrain avoir des joueurs qui, même s'ils sont des vendeurs de cacahuètes, ils se donnent au maximum et c'est ce qu'ils ont fait. Respect à eux.